Morning, my students. Now we will do science. Make sure that you have your science book, part one, with you, your copy book, a pencil, and an eraser. Open your book and turn to page 90. Donc, ouvrez votre livre à la page 90. Are you ready? Let's start. Toujours, notre topic, c'est par rapport avec les animaux. Activity 4.2. Observing where some animals live. Alors, par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui, on va observer, on va voir quelques endroits, quelques habitats où les animaux, différents animaux, vivent. I remember. Observe figure 4.1, which shows the place where some animals live and complete table 1.2. Alors, on vous dit, observe figure 4.1, c'est-à-dire en tout, cette image-là. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 images en tout, on va appeler ça figure 4.1, which shows the place where some animals live and complete table 1.2. Donc, on vous dit que figure 4.1, c'est tout simplement ces images-là nous montrent les endroits, les habitats de quelques animaux où ils vivent. Donc là, on va avoir différents animaux et différents endroits où ils vivent. Aussi, on nous dit « complete table 1.2 ». Il faudra compléter la table 1.2. C'est-à-dire, cette table-là se trouve sur la page suivante. Pas sur cette page-ci, mais sur la page suivante. Allons voir. Nous avons différentes images. D'accord? Et on nous dit que these are the places where animals live. Ce sont des endroits, donc ces images représentent les endroits où les animaux vivent. For example, we have fish, lizards, cows and so on. Donc on peut voir qu'on a différents types d'animaux ici et différents endroits où ils vivent. Par exemple, on a des poissons, des vers de terre, des lézards, des vaches, des oiseaux, papillons et ainsi de suite. Donc, va falloir observer bien figure 4.1 pour ensuite pouvoir faire les devoirs qui suivent. Allons voir maintenant qu'est-ce qu'on va nous demander par rapport à figure 4.1. Now, turn to page 91. Maintenant, on va faire la page 91. Allons voir qu'est-ce qu'on nous demande. Discuss and share. Donc, comme on peut le voir en haut complètement, on nous dit que c'est un discuss and share. Comme toujours, les questions par rapport à discuss and share, c'est-à-dire où il faut parler ensemble, discuter, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on comprend, il faudra le faire tous ensemble. Donc, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Je vais vous demander, comme toujours, d'écrire toutes vos idées, les questions que vous puissiez avoir ou les idées que vous ayez dans votre cahier. Donc, toutes les idées, vous allez noter ça dans votre cahier et dès que ce sera possible, on va faire tous les discuss and share ensemble dans la classe. Allons voir qu'est-ce qu'on nous demande.
Observe figure 4.1 and discuss where the animal live. On nous dit d'observer figure 4.1, c'est-à-dire les images qu'on a vues à la page 90, page 90. Donc, par rapport à ces images-là, il va falloir parler, discuter à propos des endroits où les animaux vivent. Discuss where the animal live. Ensuite, on nous dit now fill in table 4.2 below. Donc ça, c'est la table dont on nous avait parlé à la page 90. Qu'est-ce qu'on nous demande pour cette table-là? The first column, we have name of animal. Donc pour la première colonne, on nous demande les noms des animaux, c'est-à-dire tous les noms qu'on a vus à la page 90. Tous les animaux qu'on a, va falloir écrire les noms dans cette colonne-là. Par exemple, on a vu qu'on a fish, cows, and so on. Donc, tous les noms des animaux qu'on a uniquement dans la page 90, figure 4.1, vous allez écrire ça dans cette colonne-là. Deuxième colonne, place where it lives. Par rapport aux réponses que vous allez donner pour la première colonne, va falloir dire où est-ce que ces animaux vivent. Par exemple, si moi, name of animal, j'ai mis fish, j'ai vu que dans figure 4.1, je donne un exemple, il y a fish. Donc, pour le place where it lives, faudra dire où est-ce que le poisson vit. Donc, un colonne, c'est par rapport au nom. Deuxième colonne, c'est par rapport à l'endroit où l'animal vit en question. Allons continuer. I infer. Animals live in different blank. For example, deers live on land, birds live on the branches of trees, and fishes live in water. On nous dit que les animaux vivent dans différentes tirées. Il va falloir savoir c'est quoi la réponse. Et ensuite, on nous dit, par exemple, les cerfs vivent sur terre, les oiseaux vivent par rapport aux branches des arbres et les poissons vivent dans l'eau. Alors, your homework will be page 91. And remember, all the homework must be done in your copybook only. Alors, votre devoir sera la page 91. Tous les devoirs, comme d'habitude, doivent se faire dans le cahier uniquement. Et pour le discuss and share, c'est pas vraiment un devoir, c'est tout simplement, vous allez devoir noter les idées, ce quoi vous voulez parler, discuter, quelles sont vos idées à vous, pour pouvoir faire le discuss and share ensemble. Dès que ce sera possible. Page 92. Maintenant, allons voir la page 92. Are you ready? Let us start. Did you know? A spider lives on a web. It eats insects that get stuck in the web. Donc, on vous dit qu'une araignée vit sur une toile, vous savez la toile d'araignée, et que cette araignée en question, donc les araignées, se nourrissent, mangent des insectes qui s'introduisent dans leur toile. Je redis, une araignée vit sur une toile et ces araignées-là mangent les insectes qui s'introduisent dans leur toile. Alors, comme vous pouvez le voir, après la phrase, on a une image qui nous montre a spider living on a web. Allons continuer. Some animals, such as frogs and toads, live mainly on land but produce their eggs and develop into adult
form in water. They are known as amphibians. Alors, on vous dit que il y a des animaux, such as, c'est-à-dire des animaux tels que les grenouilles et les crapauds, vivent la plupart du temps sur terre, mais produisent, pondent leurs œufs et se développent en adultes dans l'eau. Ces animaux-là, c'est-à-dire les grenouilles et les crapauds, ces animaux-là sont connus comme des amphibiens. They are known as amphibians. Maintenant, c'est quoi amphibien? C'est tout simplement, comme les grenouilles et les crapauds, le fait de vivre both on land and in water. J'aurais dit amphibians, such as frogs and toads, they live both on land and in water. Allons continuer. The desert is also a place where animals live. Le désert, c'est aussi une place, un endroit où les animaux vivent. The snake, camel, lizard and fox live in the desert. Donc là, on vous donne une liste d'animaux qui vivent dans le désert. Par exemple, on a le serpent et ainsi de suite. Find out. Visit the internet and name and draw two animals living in the desert. Bon, on vous demande de faire un petit travail, d'aller sur internet, de faire des recherches, de donner un nom et de faire un dessin de deux différents animaux qui vivent dans le désert. Keywords to learn. Les mots-clés, donc les mots qu'il faudra apprendre par cœur, c'est web, spider, desert, place, soil, forest, pond, land, wetland.